Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans la description, j'ai fait une commande d'une application que je viens de découvrir, AmberHealth, comme c'est marqué là, regardez ici. Et bon, on va tout de suite passer à la commande. C'est une application qu'on est livrée à domicile apparemment. Et puis là, je vais tester l'application, voir si je veux bien manger. Si je ne veux pas avoir des surprises, comme apparemment il y en a qui ont des surprises, qui ont beaucoup de frites et tout, des trucs comme ça. Moi, je veux commander une barquette de frites et je vous allez voir dans la vidéo si j'ai éventuellement, si j'en ai qu'une ou si j'en ai plusieurs, etc. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va pas, niveau sauce, etc. Et tout. Alors, je vais faire ma commande. On l'a fait tout de suite. Hein. En fait, ma commande, je l'ai fait tranquillement parce que de tenir mon objectif, ça fait un peu très lourd, les amis, excusez-moi. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire ma commande. Alors, j'ai commencé par faire... regardez, il y a déjà le prix parce que la commande, elle est déjà faite. Alors, ma commande, elle est simple. Escalope nature, c'est ce que j'ai pris en viande. Parce que j'aime bien manger escalope. Après, j'ai pris toujours en viande un choix. J'ai pris cordon bleu pour ajouter dans mon sandwich, mon petit tacos. Et après, regardez tout ça. Ce qui est coché, c'est ce que j'ai pris. Et ce qui n'est pas coché, vous en doutez bien, c'est que je n'ai pas pris. Sauce algérienne, j'ai pris dans le sandwich. Voilà, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dedans l'application. Moi, j'ai pas pris tout ça, regardez. Tout ça, j'ai pas pris, non. Voilà, et là j'ai pris une sauce algérienne en petit pot. Normalement je devrais avoir juste une petite sauce algérienne en petit pot qui va arriver. Et puis après on continue, tout ça j'ai pas pris. Regardez, j'ai rajouté une petite frite, juste une petite frite. Hein. Je n'ai pas pris 7 ou 5 ou quoi. Voilà, on continue, tout ça j'ai pas pris. Voilà, regardez, et un tiramisu. J'espère que j'en aurai pas 3 ou 4 ou 5. Normalement, un seul tiramisu. Et puis voilà, comme vous voyez, tout ça, c'est tout ce que j'ai pas pris. Voilà, j'ai pas pris tout ça. Voilà. Et voilà. J'en prends pas un millier de sandwich, j'en prends qu'un seul. Et comme vous avez vu tout à l'heure, voici le prix que je veux valider là avec ma carte bancaire. Bon, ben on va voir ce que ça donne et combien de temps. Normalement, j'aurai au moins 9 minutes et quelques, peut-être, pour que la personne qui va me livrer, normalement, il livre même... Il y a la personne en vélo là que je voyais tout à l'heure qui est en train de rouler en vélo. Et puis là, il y a les minutes, vous voyez, c'est en vert. Il y a encore... il manque plus que 2 bâtons pour que je sois livré. Donc voilà, je suis en train d'attendre ma livraison, quoi, de tacos. En espérant que c'est une bonne livraison et que je vais bien déguster un bon tacos de bonne qualité. Parce que c'est la première fois que ça fait tellement longtemps que j'ai pu manger tacos et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas se remettre sur une vidéo de tacos. Puisque on me l'avait demandé en plus, alors comme on me l'avait demandé, donc pour une personne qui se reconnaît bien, qui n'a pas voulu que je cite son nom sur ma chaîne. Alors je me suis dit, une vidéo de tacos s'impose pour cette personne-là qui se reconnaît très bien. Bon ben, j'attends, effectivement, la personne, c'est une jeune dame qui est en vélo et qui est en train de m'emmener mon colis, quoi. Ben, moi j'attends mon colis, j'attends d'être livré, je commence à avoir faim, hein, cette période de ramadan. Et puis bon, les gens qui font le ramadan, c'est leur heure qu'ils mangent déjà depuis. Moi je mange, j'attends que la personne m'appelle, je pense que la personne va m'appeler. Bon, et ah, je crois que ça va sonner, attention, suspense. La personne devait être là à 21h30, et là il est 21h30, donc je recoupe la vidéo, je pense que la personne ne va pas tarder à m'appeler, je vous dirai tout à l'heure si elle était en retard, de combien de minutes la personne. Mais elle roule en vélo, elle ne s'appelle pas, elle roule tranquille, elle me livrait mon colis de bonne qualité bien sûr. J'aime bien ce genre d'application. Je le teste pour la première fois. C'est une application, là, on peut avoir nos livraisons et tout ça de tacos. Et moi, c'est la première fois. C'est... Ouais, les amis, la commande est arrivée, quoi. C'est la première fois que je passe une commande.
Le nom de la commande est marqué en dessous de la vidéo, hein, la personne qui m'a livré. Elle avait un masque, hein, quand même, un masque. Hein. Éventuellement, le confinement était bien là, parce que je voyais c'est la dame, la jeune dame, elle m'a vite trouvé, elle a dit c'est bien vous, David. Et j'ai dit oui, en plus c'est bien, c'est marqué. C'est marqué livraison, David, tout ça. Regardez ma livraison de bonne qualité, regardez, c'est marqué mon nom et tout, je suis tout content. Voilà, livraison, tout ça, quoi. Voilà quoi. Donc je suis content, c'est la première fois que je fais une livraison comme ça. Bon, on va passer à la dégustation, maintenant je vais déballer tout ça les amis, et on va déguster tranquillement, puisque là il y a un sandwich que j'ai pris, tout ça, j'ai pris des trucs pour la semaine, pour que je puisse manger demain la même chose, etc. Et j'ai fait ce que je veux manger aujourd'hui, c'est ce que je veux manger le lendemain, après cette vidéo. Donc on se retrouve pour le... Je vais déballer tout ça et puis on va déguster quand même la livraison du taco de bonne qualité. Alors c'est parti, attendez les amis 2 minutes que le temps que je puisse déballer tout ça. Alors, on va déballer tout ça. Mettez là, je commence à manger. Ça fait vraiment longtemps que je peux manger du taco, les amis. Je suis en train de manger vite. Hein. J'ai mis du temps pour enseigner la radio, la vidéo. J'ai mis du temps à mettre la vidéo parce que c'est trop pressé. J'ai mangé. Ah, c'est bon. Allez, vous voulez. La bête est quand même grande. Ça pique hein, quand même la sauce à tirer, hein, ça pique, ça faisait longtemps. Hein. Ouais, franchement, c'est bien, hein. C'est bien, regardez, c'est la tête. Ça a la taille toujours de ma tête quand même. Hein. Toujours, hein. Toujours, un téléphone, c'est plus grand qu'un téléphone, c'est plus grand que mon téléphone, hein, mon portable. Ça. On peut appeler, regardez. Allô, madame? Madame la confinée? Merci de m'avoir passé mon tacos, il est très très bon. Merci d'avoir bien pris soin de mon tacos avec votre. Scooter et merci, hein, merci, hein. Merci, c'est agréable, franchement le taco c'est très bon. Par contre vous m'avez mis beaucoup de frites, hein, beaucoup de frites. Hein. Je pense pas que je finirai à tous les frites. Hein. C'est gentil de votre part quand même de m'avoir mis le reste de vos frites. Merci. Merci pour la boisson et mon dessert, mon tiramisu de bonne qualité bien sûr. Bon, allez au revoir madame, je vais vous laisser puisque là je suis avec mes amis youtubeurs et puis on est en train de manger la. De manger, éventuellement de manger le tacos ensemble. Ouais, ok. Merci madame et bon courage pour vos livraisons. Hein. Et puis faites attention sur la route, hein, éventuellement. Et faites attention aux gens qui ont le virus, bien sûr. Hein. C'est bien, je vous ai vu avec votre masque, madame. Allez, au revoir madame, au revoir. Mais voilà, la dame m'a passé mon tacos. J'arrête de discuter quand je mange, hein, mon tacos de bonne qualité. Il est très très bon, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pu manger tacos, il est très très bon. Je suis content, franchement, j'ai eu pas longtemps. Mais il est tellement chaud que quand je mange, je transpire même. Ça se voit pas là dans la vidéo, mais j'ai chaud quand même. Ah, je suis bien. Ah. Je sais pas si je vais le finir, mais il est très très bon. Je sais pas si vous voyez là. Bon, alors, mes amis, dans mon tacos, il y a. Cordon bleu et puis escalope, c'est ce que je kiffe, moi je kiffe le cordon bleu et l'escalope, voilà c'est pour ça, je tenais à vous le dire, hein, bon appétit bien sûr les amis. Par contre ils m'ont mis beaucoup de frites, et de partout de frites alors. Du coup, je mange des frites avec. Je me régale, franchement, je me régale avec des frites. Hein. Ils m'ont mis trois petits barquettes de frites. Je me régale. Je mange comme un cochon, quoi. C'est le cas de le dire. C'est le cas de... Je parle, c'est vrai, il ne faut pas manger la bouche pleine, mais c'est bon. J'ai envie de manger la bouche pleine aujourd'hui.
C'est quand même mon tacos du confinement quand même. Dans ce confinement, je suis en train de manger un tacos quand même. C'est peut-être le dernier week-end du confinement, parce qu'apparemment, dans deux jours, on sort le 11 mai 2020, et puis c'est la fin du confinement. Et puis, peut-être que éventuellement, les amis, je veux pouvoir faire des nouvelles vidéos de tacos, mais qui seront mieux que cela. Ça, c'est un tacos, c'est taille L, hein, je pense. Oui, c'est taille L. Pour moi, c'est taille L. Il est très grand, mais je pense qu'elle veut sûrement le finir. Si je ne finis pas, je le finirai demain. Et puis voilà. C'est très très bon, franchement. Et ma petite boisson, j'ai repris le Fanta. Le Fanta, c'est quand même une boisson qui remonte le moral et qui fait du bien à l'estomac. Franchement, quand vous buvez du Fanta au citron, ça rentre bien à l'intérieur et vous vous sentez vraiment extraordinaire. Moi, quand je bois ça, je suis extraordinaire. Bon, vous allez dire, je dis un peu de conneries, hein, je dis un peu n'importe quoi, mais bon, c'est mon habitude de dire des conneries. Excusez-moi si je regarde beaucoup le retour caméra sur le côté, je regarde pas trop sur l'objectif qui est là, que vous voyez. Enfin, parce que j'aime bien regarder le retour caméra. C'est la performance, franchement, je me régale. Dire que ce tacos, il a mis du temps à arriver, ils ont galéré, la fille a galéré à me ramener ça, et aujourd'hui, je mange tranquillement. Voilà. Bon, les chers amis, je vais peut-être pas manger tout mon tacos avec vous, mais je vous dis bonne prochaine vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires sur la vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont liké à la vidéo des popcorn et tous ceux qui ont commenté. Il y a très peu de personnes qui ont commenté en ce moment parce que la vidéo est tout neuve. J'en referai peut-être une vidéo de popcorn. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt, mais qui me sortira peut-être à la fin du mois de mai, je pense. Mais elle est en cours, allez. C'est une vidéo que seul mon pote sait de quoi je parle, éventuellement. Mais elle sortira sûrement à la fin du mois de mai, cette vidéo. Et je tiens à vous dire de ne pas rater cette vidéo, parce que c'est une vidéo exceptionnelle. Pardon, j'ai roté, excusez-moi. C'est une vidéo, en fait, on m'a invité. C'est tout ce que j'ai à vous dire, on m'a invité. Enfin, je ne vais pas vous dire à faire quoi. Sans doute, vous savez pourquoi on m'a invité. Une dégustation de quoi, vous allez voir vous-même. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si c'est celle-là que je vais sortir d'abord. Ou s'il y a une petite vidéo surprise, je vous dirai. Et puis, voilà. Bon, moi, je vais continuer à déguster mon tacos qui est très, très bon et qui se refroidit. Franchement, il est très bon. Trop bon. Très bien. Et merci pour les likes pour cette vidéo. Et prenez bien soin à vous et bon déconfinement. Parce que le déconfinement est maintenant en cours. Bon déconfinement, j'allais pas dire. À tous. Et puis profitez de la vie, hein, franchement, pour tous ceux qui. Les amis, le tacos, il était trop trop bon. Et il était chaud. Les frites, je les ai même pas finies parce que je vais les finir. Je vais sûrement les manger dans la semaine, etc. Et tout. Il est très bon. Quant à le tiramisu, j'ai pas dû le manger, les amis, parce que franchement, le tacos m'a tué, en fait. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pu manger le tacos. Je rate même tellement. Je suis en train de boire mon Fanta. Franchement, je me suis régalé. Franchement, ça fait du bien quoi, de manger comme ça. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pu faire de vidéo de tacos. Les amis, j'ai mangé, c'était très bon. Mais bon, je me suis dit, je vais regarder un peu les avis et sur Amber Heard. Et
Oh là là, je suis choqué un peu parce que je vois qu'il n'y a qu'une étoile, c'est un peu choquant ça. Une étoile. Après, je regarde un peu les commentaires, je ne vais pas vous lire tout parce que voilà. Voilà. Ah ouais, ok. Attendez, je regarde un peu. C'est rare que je fais ça, que je regarde les commentaires après avoir consommé. Hein. Ah tiens, qu'est-ce que c'est bizarre ça. Commande jamais livrée, c'est quoi ça? Ah bon? Et 16 likes? Ah ouais! Et moi j'ai mangé sans. C'est rare hein, que je fais ça, les amis, hein, que je regarde pas les commentaires avant de manger, mais là je me suis dit, tiens, je regardais un peu, ben, tiens, je suis un peu étonné quand même. Hein. D'habitude je fais pas ça, regardez les commentaires, c'est marqué. Hein, ah ouais. Alors au moins c'est la première fois que j'ai commandé là les amis, mais bon je vais pas tout en commander ici, c'était juste dans cette fin de période de confinement. Et puis voilà, c'était juste pour voir les avis un peu vite fait de ce que j'ai mangé. Bon ben ça va, c'est fait maintenant. C'est vrai que j'étais un peu déçu parce que j'ai eu beaucoup de frites et tout, mais bon, je voulais regarder que ça confirme un peu ce que certains disent. Mais bon, voilà. Bon, voilà, les amis, c'était juste pour regarder les commentaires.